Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle vidéo de FIR. Nous approchons bientôt de la fin de cette longue série de vidéos, car nous en sommes déjà à l'intervalle 10, révélation, la chambre. Situation, donc l'agent du FIR est entré dans la chambre et nous devons aller localiser Harlan et Alice Wayne. Putain, on se croirait dans un truc futuriste, c'est dingue. Bref, apparemment, en plus, Paxton Fettel se trouve dans les parages. Donc, pour vous dire, tout ça ne vaut rien qui vaille. Et apparemment, il y a de la compagnie dans le coin. Dépêchons-nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, l'enfoiré! Putain, merde. Vous ne savez toujours pas ce que vous êtes, ce que vous faites là. Comment ça? T'es en train de me dire qu'il y a une explication? Quelle est la première chose dont vous vous rappeliez? Votre nom? L'endroit de votre naissance? Vous n'avez pas d'histoire. Qu'est-ce que tu me chantes là? Vous et moi, nous avons la même mère. Comment ça? Aïe! Ah, je me suis fait avoir. Vous avez dû le sentir vous aussi. Elle ne peut pas lire dans votre esprit, mais peut-être pouvez-vous lire dans le sien. C'est comme une vie de cauchemar. De cauchemar ininterrompu. Attends, il est en train de me dire que je suis le fils de Alma. C'est fini, fait-elle. Mon Dieu. Il a bouffé la pauvre Alice. J'arrive trop tard. Mais qu'est-ce qui me sort là? Comme quoi je serais le fils de la petite fille. La même mère, ça voudrait dire que je viens de tuer mon propre frère. Il faut que j'en apprenne plus. Qu'est-ce que... Ah bah oui, maintenant que j'ai tué Fettel, les soldats réplica sont désactivés. Un ordinateur. C'était une enfant très perturbée. Des cauchemars terribles et puissants. Des hallucinations, de l'hystérie. Elle n'a jamais eu une vie normale. C'est Dissler qui a compris qu'elle était télépathe. Et il pensait qu'elle était extrêmement sensible aux émotions négatives des gens qui l'entouraient. Nous ne l'avons sortie que deux fois de sa chambre. Elle avait 15 ans quand le premier prototype est né. On pensait qu'elle était dans le coma. Mais elle s'est mise à hurler quand nous avons provoqué la naissance. Elle s'est arrêtée que quand elle a eu le liquide dans les poumons. Il y a des explications scientifiques plausibles à tout ce qui est arrivé après, mais je pense que ce n'était vraiment qu'une question de haine. C'est dans la nature de l'homme de fabriquer des monstres, et c'est donc celle des monstres de détruire leur créateur. Harlan. C'était la voix d'Harlan Wade. Ça veut dire qu'il est là. Tout près. Il est là. Mais je pense qu'elle a déjà assez souffert. Nous l'avons placée ici deux jours avant son 8e anniversaire. Tu te rends compte, espèce de fou furieux, que tu parles de ta propre fille? Rien ne pourra pardonner ce que tu lui as fait subir. Elle est en train de le vaporiser sous mes yeux. Oh, punaise.
Maman, me revoici. Je suis de retour à la maison. Bon, bah j'ai complètement échoué dans ma mission puisque Harlan et Alice Wade se sont fait littéralement massacrer. Mais il y a peut-être un espoir si je suis ma mère. Ma mère, c'est quand même dingue. Ma mère est une enfant de 8 ans, enfin de 15 ans actuellement. C'est complètement dingue cette histoire. Elle est là. Oh la vache, encore. Putain, ils sont trop nombreux. Punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah! Ils arrivent dans le monde réel! Les apparitions qui jusqu'ici n'étaient que dans mes rêves, enfin dans mes hallucinations, elles apparaissent pour de vrai. Oh merde. Trousse de soins. Putain, on lève la dévie ce truc. Recharger un peu ma lampe. Du gilet pare-balles. Qu'est-ce que... Putain, il y en a combien des fantômes? Si c'est des fantômes, en fait, on sait pas trop ce que c'est, hein. Oh punaise. Les réacteurs. Je peux pas détruire les cellules du réacteur comme ça. Il faut que je trouve un moyen de les atteindre. Ah bah je peux avoir soit mon lance-grenade, soit mon petit flingue. On va garder le petit flingue et on va garder les balles pour le du lance-grenade. Ah bah j'ai perdu toutes les armes que j'avais, merde. Voilà les cellules du réacteur. C'est bon. Punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache, il y a tout qui est en train de me péter à la tronche. J'ai intérêt à me grouiller. Oh la vache. Ils sont là. Vite, des munitions rapidement, vite. Ouais, avec 50 munitions, je pense que je vais me les faire là, les fantômes. Putain, il y a tout qui est en train de péter, faut que je me barre vite. Alma. Enfin, je devrais t'appeler maman. J'ai intérêt à me grouiller, il y a tout qui est en train de se péter la tronche. Allez, vite, dépêche-toi, remonte.
suis revenu ici. Ah non, ferme pas la porte, je suis pas encore sorti. Qu'est-ce que... Oh la vache! Efficace cette arme. Grouiller de remonter. Allez, allez, monte. Dépêche-toi, putain, les ascenseurs c'est toujours trop lent. Et ben voilà, on est à l'intervalle, à la fin de l'intervalle 10 et nous commençons avec l'intervalle 11. Expiation, point d'impact. Situation actuelle, le générateur principal de l'usine a atteint le seuil critique. Une réaction en chaîne est imminente. Tu m'étonnes, tout est en train de se foutre en l'air. Mission actuelle, l'agent du FIR doit essayer de s'éloigner le plus loin possible de l'usine. Ben, on va tenter, hein. Bon, eh ben, moi je vous dis au revoir. On va se quitter sur cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la série FIR. Voilà, nous arrivons donc au dernier intervalle. J'espère que moi, comme pour vous, que vous aurez apprécié le jeu, que vous aurez apprécié les commentaires que j'ai pu faire, ma prestation sur chaque vidéo. Et je vous dis donc à demain pour la dernière partie. Allez, salut.